Je suis Michaëlle Ngoyangan, je suis musicienne. Voilà, je joue de la flûte traversière. La Journée internationale des droits de la femme, c'est une fête des droits acquis en fait par les femmes. Et puis un jour où on peut faire une piqûre de rappel pour les revendications encore en cours pour les femmes. Alors ce qui me marque concernant donc ces avancées des droits de la femme, c'est un petit peu le regard qu'on va croiser sur les générations, le regard que j'ai sur ma fille, sur sa liberté, sur celle que moi j'ai eue, et en croisant cela peut-être avec ma mère, ma grand-mère, les femmes que je connais autour de, voilà, que je côtoie, que je connais, qui ont peut-être vécu dans tel ou tel contexte. Et en cela, en fait, quand je pose les yeux sur ma fille, je trouve qu'on a quand même avancé pas mal, même s'il reste encore un long chemin. Alors, si je voulais être un peu provocatrice, je dirais que c'est une question masculine. C'est une question masculine parce que ça fait à peine 100 ans qu'il y a une journée de la femme. Au regard des millénaires de privation de nos droits, on a le temps de voir et même si on arrivait à l'égalité parfaite et totale, ce serait bien qu'on s'en souvienne, juste au moins pour que ça ne se reproduise plus, dans un sens ou dans l'autre. Hein. J'en profite pour faire passer un petit message. Je pense que c'est la première inégalité et si on règle ça, je pense qu'on réglera pas mal de problèmes, les questions de racisme, les questions de genre, toutes les questions inégalitaires, à mon avis, prennent leur source dans cette première inégalité qui est celle entre les hommes et les femmes. Parce qu'il faut vivre avec son temps. Je connais beaucoup d'hommes, en tout cas, qui luttent avec nous. Et cette journée, en fait, finalement, ne concerne pas que les femmes, elle concerne également les hommes, sur certains droits, en fait, qui leur sont également ôtés, leur part de féminité, etc. Donc j'en connais beaucoup et puis j'en connais encore quelques-uns qui sont pas encore en 2021. Mais voilà, courage. Donc j'ai une sœur, ma mère, et puis même de manière plus large, en fait il y a une seule garçon.